les entretiens du Marquis. Bonjour à tous. Macron, encore une fois, insulté cette fois-ci pendant les events 2022. Alors avant de traiter cette information, d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos messages. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire. Et oui, évidemment, j'ai de plus en plus de mal à suivre. Alors veuillez m'excuser si je n'ai pas pu répondre à tous vos messages. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Zevent ? Eh bien, Zevent, c'est cela. C'est en quelque sorte un événement organisé par des influenceurs de jeux vidéo, etc., pour récolter de l'argent au profit de l'environnement. Et cette année, d'ailleurs, ils ont récupéré plus de 10 millions d'euros. Donc, 10 millions d'euros, ça a été un énorme succès. Seulement voilà, il y a quelqu'un qui a voulu s'introduire parmi eux. Vous le connaissez. Eh oui, Emmanuel Macron. Voilà qu'Emmanuel Macron, en live sur les events, essaie de récupérer l'événement en expliquant qu'il est pour l'écologie, qu'il aime la jeunesse, etc. Le discours, ceux et celles, hein, ceux et celles, etc. Nous avons l'habitude de ce qu'il nous dit. Oui, on ne peut pas dire que la photo soit à son avantage. Seulement, c'est celle que j'ai prise en faisant une capture d'écran. Je peux vous en montrer d'autres, hein, de mes camarades. Ah, elle ne vaut pas mieux, hein. Il est toujours un peu bizarre. Alors, il y a d'abord une première réflexion, et que l'on voit très très bien sur ma capture d'écran, c'est cette chemise à col Mao. Parce que Macron, généralement, travaille les détails, hein, avec beaucoup de minutie, et on peut se demander pourquoi a-t-il choisi une chemise en soie de couleur perle blanche, avec un col Mao. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, hein? Quel est le message qu'il essaie de nous faire passer? Alors, le premier message, j'ai envie de dire, avec un col Mao, est-ce qu'il va organiser un contrôle social à la chinoise, hein? C'est ce qu'il veut nous dire. Ou à moins qu'il veut nous signaler qu'il s'habille comme son maître et gourou Klaus Schwab, hein, qui a aussi des chemises souvent à col Mao. Ou alors, est-ce qu'il veut rendre hommage à Pap Ndiaye? Alors pourquoi je dis ça? Parce que Pap Ndiaye est sur tous les écrans et on nous explique qu'il va faire une grande réforme de l'éducation nationale autour de la sexualité et dès le plus jeune âge. Alors, dès le plus jeune âge, qu'est-ce que c'est? Ben, avec les LGBT, ils vont apprendre la différence de genre. Hein, ça, c'est, va être l'objet principal, l'endoctrinement principal de l'éducation. Alors, lire, compter, apprendre à réfléchir, non mais ça, c'est un truc du passé. On a appris à lire pendant 2000 ans, il faut passer à autre chose, hein. Il faut passer à l'endoctrinement stalinien. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de pères de famille écrivent, ou de mères de famille, écrivent en disant que c'est une catastrophe, que leurs enfants sont endoctrinés. Et puis, on a vu dans un journal cet être, hein, ce garçon qui se prend pour un loup-garou. Oui, il se prend pour un loup-garou et il se plaint que les gens ne l'acceptent pas tel qu'il est. Alors, on a envie aussi de lui dire, mais c'est que peut-être t'es en conflit avec la réalité. Autrefois, des gens qui auraient eu ce comportement, qui se prennent pour Napoléon ou un loup-garou, ils avaient tendance à finir à Charenton, hein, dans des asiles. Voilà, et on a l'impression que c'est un peu l'objectif, c'est de transformer nos garçons en Lolita fragile et nos jeunes filles en gros barbus camionneurs. On a l'impression que c'est ça maintenant le but de l'éducation nationale et c'est véritablement très inquiétant. Alors, est-ce que Macron a voulu montrer avec sa chemise Mao, hein, qu'il était, voilà, qu'il se dirigeait vers cette chose? Parce que cette chemise à col en soi, à moins que ça soit le dossier Donald Trump, peut-être que Emmanuel Macron veut faire son coming out. Allez savoir. Si vous avez une version qui vous plaît plus qu'une autre, hein, dites-le moi. En tous les cas, Macron qui parle en direct aux events pour essayer de récupérer l'événement, eh bien, ça n'a pas plu du tout à ceux qui animaient l'événement, et notamment à Antoine Daniel, qui nous a gratifié d'un « Let's go Brandon » de légende. Hein. Ça a duré plusieurs secondes, et sur la droite, les chats, évidemment, ça a été du « Let's go Brandon, let's go Brandon, let's go Brandon », et ça a été repris par tous les autres animateurs de l'événement qui ont dit « Mais qu'est-ce qu'il fait? Il récupère l'événement, c'est une honte, on ne veut pas être récupéré par Emmanuel Macron ». Le résultat de cela, c'est que Macron a réalisé ce qu'on appelle un fiasco, hein. Il voulait que les jeunes l'aiment, eh bien pas du tout, ils l'ont copieusement insulté. Et cela commence à faire beaucoup, parce qu'il est vrai, il nous avait habitués
la jour de rentrée, hein, il aime bien essayer de récupérer le vote des jeunes. Alors là, il s'était présenté avec Carlito MyFly. Ça vous donne une idée de ce qu'il pense de la jeunesse. Hein. C'est-à-dire, la jeunesse, eh bien, ils sont aussi idiots que ces deux-là. Le jour de la rentrée, il faut être sacrément pervers pour s'afficher avec Carlito et MyFly. Eh bien, il a réessayé avec The Events. Et ça ne lui a pas véritablement réussi. Il a encore pris un Let's Go Brandon de légende. Hein, légende. Et d'ailleurs, tous les organisateurs se sont dit, mais il est en train de nous fusiller notre événement. Hein, mais qu'il se taise, qu'il reste chez lui. Alors, comme il se fait véritablement insulter à longueur de journée, eh bien, cela crée de l'angoisse chez les macronistes. Et je pense à ce Lionel Coste qui a vraiment la foi chevillée au corps pour défendre un Emmanuel Macron qui nous joue un petit peu. Comment se fait-il qu'on puisse insulter le président ? On doit avoir du respect pour la fonction présidentielle. Tout cela est inadmissible. Alors, je voudrais répondre à ce Lionel Coste en utilisant les éléments de J.D. Michel qui a été très en pointe hein, dans le combat contre les covidistes. Il nous explique que notre président est avant tout narcissique. Narcissique, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui compte et tous les autres sont des objets, nous dit J.D. Michel. Que c'est quelqu'un de machiavélique, c'est-à-dire qui passe son temps à manipuler. Et c'est ce qu'il a essayé de faire avec The Events, et puis nous l'avons vu à différentes reprises, je ne vais pas revenir parce que j'ai fait au moins 50 vidéos là-dessus. C'est aussi un psychopathe, c'est-à-dire qu'il n'a pas de réaction, il n'a pas d'émotion à la souffrance d'autrui. Mais J.D. Michel ajoute quelque chose de pire, il pense qu'Emmanuel Macron est sadique, c'est-à-dire qu'il a une jouissance lorsqu'il fait souffrir les Français. Et lorsqu'on voit ce qu'il a imposé aux Français, c'est-à-dire toute la période Gilets jaunes, où il a envoyé quand même une partie de ses troupes de répression contre des manifestants pacifiques, il a orchestré la judiciarisation des Gilets jaunes. Ensuite, nous l'avons vu avec les soignants non vaccinés suspendus. Comment il arrive à leur parler ? Comment il arrive à les rejeter ? Hein, on sent qu'il y a une sorte de jouissance et de victoire pour lui. Et puis, il faudrait ajouter, à chaque fois qu'il est pris les deux doigts dans la confiture, hein, où il ment, il s'énerve, et puis « venez me chercher », et puis tous les mots grossiers qu'il peut employer. On n'en finirait pas de lister toutes les horreurs de ce personnage. Je crois qu'il serait temps véritablement qu'il cède sa place pour ne pas dire autre chose, puisqu'on n'a pas le droit d'en dire plus. Hein, vous me comprenez en ce moment-là. On aimerait bien que Macron laisse sa place. Or, nous savons, par les préfets, par les renseignements généraux, la DGSI, que la colère gronde en France. Et la grande peur des macronistes, c'est que la jeunesse, massivement, vienne rejoindre les cortèges. Et c'est pour cette raison que Macron tente des approches, hein, en période de rentrée comme cela, auprès de la jeunesse, en disant « Regardez, je suis cool et sympathique, il n'est ni l'un ni l'autre. » C'est au contraire un dangereux personnage. Alors, je voudrais terminer sur une photo qui, pour moi, en dit beaucoup. Vous voyez BHL, hein, il est allé à Kharkov se mettre à côté de bérets verts ukrainiens pour les féliciter de leur victoire. Eh bien, c'est là où on se dit que notre combat est juste parce que BHL est du côté des Ukrainiens et que nous n'aimons pas BHL. Pourquoi ? Ben parce que BHL, lorsqu'il a été à côté des Afghans, il a été à côté des talibans, hein, de l'ethnie pachtoune qui ont donné les talibans. Lorsqu'il a soutenu les fameux Libyens, c'était des islamistes. Il a soutenu les islamistes en Syrie. Nous l'avons vu aussi soutenir pendant la période de la guerre contre la Serbie et le Kosovo, nous l'avons vu soutenir Loucheka. Loucheka, c'était des mafieux extrêmement dangereux qui, aujourd'hui, sont accusés de purification ethnique. À chaque fois, BHL a été du côté, j'ai envie de dire, des méchants. Alors, si je simplifie, j'aime pas beaucoup le manichéisme, mais là, on est bien obligé. Si on passe à une grille de lecture, voilà. Et il se retrouve à côté d'unités qui ont peut-être des tatouages très répréhensibles. Je crois que vous me comprenez là encore. Eh bien, cela nous donne une idée de notre combat. Alors, je vois beaucoup
en ce moment sur les réseaux sociaux des gens qui sont extrêmement tristes par rapport à l'actualité ukrainienne. J'ai envie de juste leur dire, vous savez, dans un combat, et moi qui fais du rugby, c'est quelque chose qu'on connaissait, il y a des temps forts et des temps faibles. Il y a des temps forts où voilà, on a la main sur le ballon, on marque des essais. Et puis, évidemment, on ne joue pas contre une opposition factice. Eux aussi peuvent avoir leur temps fort. Ils peuvent avoir le ballon et nous marquer des essais. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est le dos rond, résister et attendre, justement, avoir le moral pour retrouver des temps forts. Voilà ce que je voulais dire. À bientôt pour une nouvelle vidéo du Marquis. Et puis, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis, à bientôt. Bye bye.